Vraiment haute en couleur. On vous reçoit, Sacha, je l'ai dit, à l'occasion de la publication, c'est vrai, de plusieurs disques, et notamment un très beau disque de jazz, où on s'aperçoit que c'est vrai que vous êtes un grand, grand musicien de jazz. J'ai l'impression que votre carrière, qui a démarré comme ça très vite en Angleterre, elle a quand même été beaucoup portée par la chance. Elle avait un peu de chance, de hasard ou pas? Alors je sais ce qui m'arrive. J'ai deviné. Vous avez deviné? Vous êtes sûr que vous avez deviné? Je dois tout à Germaine. Ah, Germaine, vous l'appelez? Germaine. Vous l'appelez Germaine? Est-ce qu'on parle de la même personne? Je suis sûr que vous avez deviné, parce que c'est trop bien amené. Vous voulez qu'on découvre tout de suite si la Germaine à laquelle je pense est la même que la vôtre? Sûrement. En tout cas, c'est une femme porte-bonheur qui va arriver sur ce plat dans un petit instant et qui va, j'espère, vous surprendre. On l'écoute. De la pluie tombe sur moi. Nothing's worrying me. Yes, I am free. Nothing's worrying me. Et je suis là pour toi, mon beau Sacha. Mesdames et messieurs, la grande Petula Clark. C'est un grand honneur de vous recevoir, Petula Clark. Vous êtes un peu quand même une habituée de l'émission. Vous avez déjà vu à plusieurs reprises dans le Fabuleux Festin. Et on vous accueille toujours avec le même plaisir. Deux monstres sacrés de la chanson, deux monstres sacrés internationaux, ici sur ce plateau. Francine, vous êtes très amie avec Petula Clark, vous connaissez bien? Très longtemps. Bon, on n'a pas skié ensemble quand même, parce qu'on skie tellement bien. On prenait les téléphériques ensemble. Oui, voilà. Alors, n'oubliez justement, c'est une histoire de téléphérique, c'est qu'au début de la carrière française de Petula, on prenait le téléski ou les bennes pour monter à la montagne, et elle est tellement populaire et tout que quand on les disait à la benne, oh Petula, tout le monde se retournait, elle lui souriait, des autographes. Je tombais beaucoup. Et alors un jour elle nous dit, mais vous pouvez pas me trouver un nom bien français, un nom français comme ça, les gens, je pourrais faire d'être tranquille en vacances. Alors on a cherché le nom le plus français qui puisse nous venir à l'esprit, et on a trouvé Germaine. À l'époque c'était un nom à la mode. Bizarre, hein, sur cet album qui vient de sortir quand même, hein. Germaine, Kaleidoscope, ça ferait pas pareil. Hein. Dites-moi, plus sérieusement, alors, c'est vrai que Sacha Distel a un petit peu deviné, c'est vrai que vous étiez parmi nous ce soir, parce que vous êtes indissociable. Est-ce qu'on peut dire même que s'il a réussi sa carrière internationale, et notamment en Angleterre, c'est grâce à vous? Un petit peu, oui. Ouais, oui, hein, finalement. Un petit peu, oui, parce que Sacha a chanté dans une émission à moi, à la BBC. Mais c'était tout de suite un gros succès. C'est lui qui nous a fait démarrer tout de suite en Angleterre. Avec la chanson que Petula a chantée en arrivant tout à l'heure, je crois qu'on était 34 semaines au Hit Parade. Toute la pluie tombée sur moi. Version anglaise. C'est vrai que quand on vous voit tous les deux, vous l'avez dit, on ne peut pas s'empêcher de penser au célèbre Sacha Show. Ça a duré près de 10 ans, à raison de 5 shows par an. Oui, 10 ans, 62 à 72. Voilà, et vous étiez... Oui. Justement, on va voir à quel point c'était une sacrée bande de copains. Regardez. Faites couler l'eau, pour qu'on se fasse beau. Il faut être beau pour le Sacha Show. Il faut être beau pour le Sacha Show. Il faut se coiffer et se michonner. Il faut s'habiller, mettre des souliers. Il faut se presser, de se faire beau. Pour le Sacha Show, ça fait bien longtemps. 4 mois et ça fait bien longtemps qu'on n'est pas venu. Il faut se presser, de se faire beau. Il faut être beau pour le Sacha Show. Il faut être beau pour le Sacha Show. Ça y est, on est prêt. Ça y est, on est beau, on peut même avouer qu'on est les plus beaux. Ça y est, on est prêt, on peut commencer. Allez hop, rideau,
à dire. Et c'est vrai c'est pour ça que le titre avait été choisi, c'est impossible à dire. Impossible à dire. Mais on se rend compte surtout, et j'aimerais vraiment qu'on termine là-dessus, à quel point cette émission était novatrice, c'était très nouveau à l'époque, de faire des sketchs, des parodies. Même encore aujourd'hui, moi je trouve que c'est une émission qui n'a pas pris une ride. C'est une émission qui est bien plus intéressante que bien d'autres, que d'autres émissions aujourd'hui à la télé. L'idée, c'est que les mots promotion et marketing n'étaient pas inventés. Donc on faisait comme on avait envie, on s'amusait. On s'amusait. Donner une date très très importante, c'est la date de votre passage à l'Olympia dans quelques jours, 28 septembre. Notez bien cette date et surtout la sortie de votre nouvel album Kaleidoscope où on retrouve votre voix irrésistible, aussi irrésistible que celle de Sacha Distel.